Bonjour à vous, c'est Quinn Show de la Famous Team. Aujourd'hui, je suis sur Rust. Enfin, de retour pour faire le DevBlog 66. Voilà. Désolé d'avoir fait un tout petit DevBlog pour. Enfin, une vidéo pour le 65. Je sais pas quoi trop dire, il y avait pas vraiment grande chose, on va dire, dans le truc. Donc voilà, alors, voyons voir. Je suis près d'une construction qui s'est fait vraiment raider. Voilà, on passe ce petit endroit pour dire, alors normalement dans cette mage il y a le temps, c'est à dire en ma vie il doit y avoir tout ce qui est lié à la pluie et tout. Voilà, il y a ça qui a été ajouté et franchement c'est pas mal du tout. Un truc qui est assez marrant, j'ai un peu lu le truc, apparemment les sexes hommes sont prédéfinis par l'idée Steam. Donc voilà, en gros c'est un peu con, et un peu ouf, et un peu bizarre. Hop. Attendez, je crois que j'ai vu un truc là. Est-ce qu'il y a un truc caché? Ah, il y a que dalle. Ah, les enfoirés. Ils ont caché un coffre, mais il y a rien. Donc en gros, ouais, c'est comme ça. Après, pour... ils ont fait un haut... un haut d'armure. Voilà quoi, c'est pas vraiment... C'est improvisé quoi. Donc voilà. Ils ont fait ça. Qu'ils ont rajouté dans, du moins là, dans la mise à jour. Des corrections au niveau de l'eau. Plein de corrections. Notamment ils ont ajouté le code lock de base de craft. Ils ont aussi montré le modèle féminin en action. Dans une petite vidéo qui est dans le devlog. Le nouveau gun en fait il est sorti enfin. Il y a le super on avait le P250 qui était dans la version première de Rust. Apparemment ils l'ont réintégré mais enfin maintenant il s'appelle autrement. Normalement de base. Alors weapon il s'appelle le semi-automatic pistol. Donc voilà. Donc c'est ça, ce nouveau flingue. Mais comme je suis sur un autre serveur, en dépit que le serveur où on était, il est plus là. Voilà. Donc là, voilà, je suis là. Et ils ont aussi changé le mouvement, apparemment. Enfin, j'ai pas vraiment changé le mouvement en déplaçant peut-être. On se déplace ou l'autre. Je sais pas, ou dans un truc, je sais pas. Ils ont aussi rajouté normalement un sorte de casque. De Root. Assez intéressant. Ils ont aussi revu pas mal côté munitions, ils ont revu la vitesse, le déplacement de certaines munitions, comme le lance-roquette, je crois, le fusil à pompe et d'autres armes. Après, Meg nous en parle plus sur les fours en deux. Donc, vivement qu'il soit mis en pratique, c'est bien sympa. Avec aussi avec un réfrigérateur, c'est marrant. Ouais, mais après il faudrait qu'il mette l'électricité, ça serait pas mal. Parce que là franchement c'est pas vraiment cool sans électricité, sinon ça marcherait. C'est bizarre. Et aussi pour les mines, enfin pour les carrières on va dire en tout cas. Enfin, qui donne plus de rendement en fait. Donc voilà. Il y a ça. Après, il y a plein de petits correctifs. Ah, aussi pour les. Je crois que j'ai bien compris. Pour les murs. Enfin, pour les demi-murs. Plus les. Certains éléments. Ouais, les portes. Les barreaux. Les fondations en triangle. Sont réduits de moitié de bois en fait. C'est pas comme d'habitude avant que c'était tous au même prix, maintenant c'est les grandes choses sont ont gardé le prix habituel, les petites choses ont été réduites. Franchement c'est pas mal. Donc voilà, consommation en bois pour faire des trucs comme les triangles de fondation sont réduits. Voilà, ça
Ah oui, il y a Dan, il a parlé de ses nouvelles armes, là, 6 nouvelles armes, je crois, comme ça. Ou 8, enfin, du moins, il y aura des nouvelles armes de mêlée bientôt. Donc, ça va être stylé. Donc, on va voir une 6, sorte de. Non, une épée à dentée, c'est pas mal. Regardez sur le blog, c'est de le traduire, mais c'est assez sympa. Assez sympa. Il montre aussi le travail de Howie, qui travaille sur la. Sur quoi dire ? Sur la mine tourelle, ah voilà. La mine tourelle défensif. Bon, après, je sais pas si c'est un, mais j'espère que ça ne tirera pas dessus. Sur une histoire très chère. Ah oui, aussi, il y a. Il faut ajouter ça au code bloc. Apparemment, ils ont ajouté un coup d'électricité. En gros, en fait, si on se trompe de code, en fait, en gros, ça envoie une décharge. Ouais, c'est un super répulsif intéressant. Enfin, en gros, s'il se trompe et claque, voilà. Et Paul, il parlait de faire une armure totale, brutale, en tribal, on va dire, de DOS, intéressant, pour les amateurs de d'armure en os. Donc voilà. Et aussi, ils ont parlé un peu plus sur l'anti-cheat, et ils ont mis une witch, enfin, non, j'en peux le dire, c'est du moins une liste. Une liste de des choses qu'ils ont ajoutées dans le jeu. Enfin, le code, enfin, de le code, c'est sur le devlog. Donc voilà pour dire qu'est-ce qui a été ajouté. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Encore, cette vidéo va durer pas longtemps. Et après voir quoi qui va se passer la semaine prochaine, espérons qu'il y aura de nouvelles choses intéressantes et qui mettront enfin l'électricité avec ce moulin et tout, enfin toutes les choses qu'ils ont déjà montré, qui ont peut-être déjà fini car en attendant le truc. Un truc qui est bizarre. Ah bah l'eau, c'est je vous disais l'eau en fait ils ont changé. What? J'étais ralenti, c'est quoi ce truc? Ah, carrément, on peut plus. C'est quoi? C'est encore un petit peu. C'est un peu bugué, hein. J'ai en train de me noyer la gueule, moi. Oui! J'espère que je vais pouvoir traverser. Chiant, je suis un peu con. Trop froid, oui. Ah ouais, il y a des gouttelettes maintenant, ils ont mis un effet visuel, je sais pas si tu peux ou pas. Ah, trop soleil, hey. Wow. Ah. Ouais, maintenant il y a des sortes de gouttelettes qui se forment quand on rentre dans l'eau. What the fuck? Ouais, il y a quelqu'un un petit peu de bug avec la nage, hein, je trouve. Les HMB. Allez, on va faire un petit tonneau. Ouais. Un petit peu de lag là. Hop. Des gants en tirade. Oui. Ah oui, ils ont réglé le problème non du casque. Bougie là, qui avait un gros bug aussi avec l'autre casque aussi. Pour tout ce qui est lié à le consommable là. qui. Enfin, je sais pas, il y avait un gros bug avec ça, apparemment. Géronimo, va dans l'eau. Chamouille, il fait trop froid. Wow. C'était quoi, chamouille? Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a chez eux? Que d'elle. Donc voilà, je crois que ce sera tout. S'ils ont. Ah oui, ils ont aussi pour un changement. Bientôt, ils vont changer les. Les sons aussi, bon, il y a plein de chants qui vont être évolués, je crois, normalement. Donc, je crois que j'ai résumé à peu près tout ce que j'ai compris, qui est intéressant. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour le prochain devlog, le 67. C'était Gunshot VMS Team, bye bye!